Melty qui veut dire plusieurs, l'origine du grec multos, comme une multos prisos. C'est une multiprise en grec à l'époque, il disait multos prisos. Salut, c'est Max Boublil et je vais vous parler de mon parcours dans la dalle. On me reconnaît soit pour les films, soit pour les chansons que je faisais quand j'étais plus jeune. Et on me dit de plus en plus, monsieur, vous avez bercé mon enfance. Alors déjà, monsieur, j'ai envie de vomir. Et à vous avez bercé mon enfance, j'ai envie de me foutre en l'air. J'ai l'impression d'avoir 96 ans, d'être Léon Zitrone, frère. Et ceux qui connaissent pas Léon Zitrone, voilà. C'est-à-dire que je suis déjà vieux. 42. Macron a 2 ans de plus que moi, c'est quand même... tu vois, je suis pas non plus si jeune que ça. J'adorais faire des sketchs, des conneries avec mes potes quand j'étais petit. On faisait plein de courts-métrages, plein de sketchs. L'année terminale, j'ai décidé de me lancer. J'ai vu mon pote qui commençait à être comédien. J'ai dit, ouais, je vais faire comme lui. Et c'est comme ça que tout a démarré. Ma grande rencontre, c'était Anthony Marciano, avec qui j'ai fait les chansons, les premiers films. Rudy, avec qui j'ai refait un autre film derrière. Je travaille souvent avec mes potes. Et aujourd'hui, encore, là, je fais une émission pour Canal+, et je l'écris avec mes potes. Moi, j'ai du mal à bosser avec des gens qui sont pas mes vrais copains. Le premier film, c'était Les Gamins. J'avais coécrit avec mon pote Anthony Marciano, et dans lequel jouaient moi et Alain Chabat, enfin Alain Chabat et moi. Alain Chabat, Didier, Boulet Bill, ouais, si on veut, on peut faire cette transition, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui fais Bill dans le podcast Boulet Bill. 1, 2, 3, salut, c'est Boulet Bill. Venez. Promis, on va bien rigoler. Ah non, mais c'est sûr et certain. Alors, à bientôt. Bisous, bisous. Ce podcast, en fait, c'est tout simplement la BD Boulet Bill en audio. Boule est un petit garçon et Bill est un chien et je fais le chien. Premier rôle de yinche, comme on dit. Voilà. Non, je fais pas waf waf. Et c'est génial parce que c'est une BD culte, c'est une BD qui a bercé ma jeunesse. Mes enfants, je vais pouvoir leur faire écouter le podcast de Boulet Bill en leur disant, c'est Bill, c'est papa. On avait les planches. On avait les textes, on devait interpréter ce qu'on lisait. C'est super efficace parce qu'ils ont mis un emballage sonore et musical tout autour, vraiment qui retranscrit vraiment l'univers de la BD, des gags. T'as vraiment l'impression d'écouter la BD. Ça dure que entre 2 et 4 minutes, donc c'est assez court. C'est vraiment bien fait. Moi, je vous conseille ce podcast en famille. Moi-même, j'ai pas de chien, mais je sais que je vais devoir acheter un chien pour ma grande fille. Donc, je vais devoir bientôt avoir un chien en plus des enfants à la maison. C'est bizarre hein, comme phrase, hein. Hein, ça peut vous mettre mal à l'aise, j'en ai rien à foutre, ça vous met mal à l'aise. J'ai dit un chien et des enfants à la maison. Ouais, j'ai comparé les enfants et le chien, je les ai mis sur le même tableau, exactement. C'est ça, c'est la liberté d'expression. Je suis un ami des animaux. J'ai eu des cochons d'Inde, des gerboises, j'ai même eu des souris, j'ai eu des poissons rouges. Et mon plus gros choc en tant qu'enfant, c'est une fois j'avais vu un fascicule comme ça qui se distribuait à la sortie des écoles. J'étais au collège sur la vivisection, c'est-à-dire que les expériences que font les labos sur les animaux, et ça m'avait genre traumatisé. J'adore les podcasts, mais rien à voir, c'est pas du tout des podcasts à écouter avec les enfants sur les tueurs en série. Je les adore ces podcasts parce que t'as tous les détails, les trucs, t'as peur, t'es chez toi, en même temps tu te dis est-ce qu'il peut rentrer chez moi, tu te fais des flips et tout. Je suis très podcast que tueur en série. Et je suis très tueur en série en général, c'est plutôt un métier vers lequel je suis en train de loucher. Tueur en série, moi je pense que je serais pas crédible, j'ai trop de gentillesse dans le regard. Si je devais choisir, là c'est Guy Georges, pour le côté un peu... un peu années 90, un peu 18e arrondissement. C'est touchy hein, de faire un tueur en série. Un film de tueur en série pour les enfants, par exemple. Tueur en série un peu sympathique. Non, je sens pas le concept. Tueur en série rigolo. Oui, tueur en série, mais on l'aime bien. Bah, il y a déjà eu Dexter. Hein. Il tue que des tueurs en série. Donc, tu comprends un peu le personnage. J'ai commencé en 2007 par une chanson qui s'appelait « Ce soir, tu vas prendre ». Quand on l'a mis sur Internet, c'est devenu un espèce de phénomène et tout le monde l'a repris. C'était fou parce que du jour au lendemain, je suis passé de l'anonymat à être invité sur tous les plateaux de télé. J'ai récidivé en 2010-2011 avec une chanson tous les mois et c'est là qu'on a eu « J'aime les moches »,« J'ai vu ta mère sur Tchat Roulette » et de là, j'ai commencé à faire du cinéma, machin. Et aujourd'hui, Boulet Bill. Ah ouais, 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 je te connais, viens, on prend une photo, machin. C'est des gens qui me disent, ah, j'ai vu tel film, ah, vos chansons, elles m'ont fait toute ma jeunesse. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Là, en ce moment, j'ai des gens qui m'ont arrêté, qui m'avaient vu au théâtre avec Gérard Darmon. Et je me fais arrêter régulièrement par la police, je tiens à le dire. Très, très souvent. Très souvent. Je sais pas pourquoi, toujours les mêmes en plus. Je leur dis, bah, les gars, on va se recroiser tout le temps, vous êtes dans le quartier et tout. Jusqu'à présent, ils me le mettent pas parce que je parle avec eux, je fais le sympathique comme on fait, hein. Bon, les lèche-cul. Hein. Mais là, ils m'ont dit, la prochaine fois, on vous met des PV. De jamais écouter les conseils. Et le deuxième conseil que je donne, c'est vraiment de faire des trucs
toi-même, de faire tes projets, de les construire à partir de tes idées, d'essayer d'être le maître de tes propres projets.